Et salut à tous, c'est Zirlix et bienvenue dans ce nouvel épisode de En mode hard. Ouais, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti un épisode d'En mode hard, mais cette fois-ci, je vais le faire sur un jeu mythiquement dur en fait, Radiant Silvergun. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus, quoi? C'est de la torture? Ah, non. Armes multiples, décor en 3D, enfin fausse 3D bien sûr, hein, c'est de la Saturne. C'est qui le boulet qui bouge pas? Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est un très vieux jeu. Il y a tellement de boutons, je sais pas à quoi ils servent. Voilà, je sais qu'il y a un bouclier, je savais qu'il y avait un bouclier. Je m'en suis rappelé. Il y a tellement d'armes différentes dans ce jeu, c'est affreux, quoi. Ouais, reviens. Alors. Ce n'était pas le premier stage, hein. C'était un tour de chauffe. Non, c'est pas vrai, j'ai pas déjà joué. Arrêtez de me juger, ok? Pourquoi stage 3B, quoi? Enfin, si j'y ai joué, mais à une époque, vous pouvez même pas imaginer, vous. La moitié d'entre vous, vous étiez occupé à autre chose, sans doute. Merde, 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 merde. Ouais, un des jeux les plus durs de ma génération sur Saturne. Déjà. Ah putain. Il me reste 3 vies, quoi. Ouah! Oh merde, c'était pas un élément du décor. Il y a tellement d'ennemis. Non, 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 non. Boulet, mais boulet. Vas-y, lâche-moi, toi. Ah, vous voulez un jeu dur? Cherchez pas, Radiant Silvergun. On ne dirait pas, mais je suis en stress. Rappelez-vous des règles, hein. J'essaye de passer le premier niveau. Merde, crédit. Le plus rapidement possible dans le mode de difficulté le plus dur. Fiché. Donc, il est déjà en mode extrêmement dur. Hein. Je l'ai fait lors des tests. C'est vrai que je voulais pas montrer cette fois. Je reconnais que vous pouvez douter de ma bonne parole, mais croyez-moi, même en mode normal, ce jeu est extrêmement dur. Putain, ouais, ça y est. Allez. Ouais, je m'en fous, ça. J'ai vu un type, une vidéo d'un type qui l'a fait, mais trop facilement, quoi. Ah merde! Ah putain, c'était un mur, ça. Mais putain! Va te faire foutre. Vous voulez m'entendre rager, il n'y a pas de souci, on va rager. Mais je vous garantis que ça va être un bonheur pour moi.
Sans déconner, quoi. Et le mec, il fait ça sans mourir, lui. Je vous jure, le type, il prend pas un shoot, quoi. Mais je pense qu'il triche. Parce qu'il y a des tirs qui le touchent et tout, quoi. C'est véridique. On voit clairement le vaisseau se faire toucher, quoi, et il meurt pas. Allez, concentre-toi. Je peux avoir ton arme? Moi j'ai pas des rayons qui font ça moi. Ah mais ça aussi? Savez quoi? Je sais pas combien de crédits j'ai. Mais je vous garantis que je vais tous les utiliser. T'es pas gentil toi. Mais quel boulet! Tiens! Je sais que ça te fait des dégâts. J'aimerais que ça ne t'en fasse plus. Je suis en vie, je sais pas comment j'ai fait. Oh! Tellement occupé à éviter tous les tirs que j'ai pas vu celui-là venir. T'as un rayon Delta, toi. Pas sympa, ça. Mais non, mais laisse-moi moins de la place, quoi. Il arrête pas de target le diamant devant, là. Je peux avoir ton armement. Mais quel... Non, a priori, ça sert à rien de lui. Allez, Apocalypse, me fais pas chier. Monsieur se permet d'avoir des rayons laser qui changent de direction? Wow, wow, wow! Mais non! Ah, fais chier, va te faire foutre. Red, Blue, Yellow, Mary. Vous savez quoi? No save. Voilà. Voilà. C'est bien, je suis pas dans les premiers, j'en ai rien à secouer. Radiant Silvergun. Je hais ce jeu. Je l'ai. Je l'ai. Le plus dur que je connaisse. Le plus dur. Je refais une dernière try. Ça passe pas, ça passe pas. T'as servi à rien, toi. Mercredi, mais pourquoi je m'en mets toujours plein la gueule avec ça? Pourquoi je m'entête comme ça à essayer de passer là où je peux pas, quoi? Quoi, j'ai... Ah putain, l'explosion m'a tué. Heureusement que tu sers à rien, toi. Le pire, c'est que j'avais même pas passé le premier.
Ouais, ça me fait rager, j'avais même pas passé le premier level. J'avais fait une série de boss, mais... J'ai fait le bouclier, ta race! Voilà, j'ai fait un truc, je sais pas du tout comment je l'ai fait. L'histoire de ma vie. What? Oh! D'accord. J'aurais aimé le savoir avant. Oh putain. Mais bien sûr, c'est pas affecté ça. Non, ça serait trop bien. Dégagez. Je sais même pas ce que je fais, ça me saoule. Putain. Ah non, je m'écœure moi-même là en fait, vous le savez pas, mais je suis en train de me dégoûter moi-même. Allez. Fais gaffe, j'ai une épée. Mais non, mais arrête de faire le con, il contente toi sur la bataille. Voilà. Va te faire foutre. D'accord, il me reste 2 crédits, donc on a 3 vies. Enfin, 3 crédits. Mais va te faire... Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Allez, allez, mais ta mère. Putain, on dirait mon vaisseau dans Star Trek Online. Il sert à quoi ce pouvoir à part faire des flèches dans tous les sens? Ah d'accord, il tire des missiles. En gros, il sert à rien. Vous savez que je suis en train de passer une vie complète sur un boss, quoi. Mais c'est une blague. Bon. Ça devrait t'avoir calmé un peu, ça. Bon. J'adore perdre mes vies comme ça, c'est... Je kiffe. Dernier crédit, et on parie que j'ai fait plus mauvais que le précédent. C'est quoi ça? J'ai pas rêvé, il y a bien une chine qui est apparue sur l'écran là.
Va niquer ta mère. Salut copain. Ah, on peut pas laisser de te gruger, toi. Va te faire foutre. Les mecs, si on mettait un combat à l'épée dans un vaisseau spatial, ça serait classe, non? Mais t'es complètement malade. Ils s'en rendront compte que ça sert à rien. Mais non, t'inquiète. Va te faire foutre. Concepteur démoniaque. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'arrêter. Carrément. Bon, dernier track. Puis après, ils iront se faire foutre. Ouais, ouais, on en a rien à foutre de ton trou de merde. Voilà. Trompe-toi des boutons, ça sera classe. Reste au milieu, je te dirai rien. Ils servent à quoi les missiles sans déconner quoi? Donc toi, ton petit nom, c'est Red. Le boss le plus facile, je crois. Ça s'entend pas, mais au fond de moi, je suis en train de rager violent. Ils servent à quoi les missiles? Blue!
Mes couilles, je me suis enfermé moi-même. J'aurais peut-être eu une chance de survie, mais je voulais pas la risquer. Ça aurait été trop bien. Il y en a deux canons comme ça. Il y en a deux canons comme ça. Tant de réactions, tant de réactions. Ah ah! Bon, moi je suis pas parti tout seul. Au moins on a la preuve que dans les mangas, les héros sont morts très tôt. Si c'était réel. Bon, Blue descendu, il me reste deux vies. Allez, il faut que j'arrive à le battre. Et si je peux pas le battre, il faut au moins que j'arrive après ce boss à la con qui commence à m'emmerder. Allez vous faire foutre. Sans déconner quoi. Le bon côté c'est que j'ai 9 vaisseaux pour faire le boss. Allez. Concentre-toi, bordel. Demande-toi qu'est-ce qu'il ferait Jésus dans ce cas-là. Ouais, il demanderait à son père. Bordel, je l'avais pas vu. Deux armes détruites. C'est bon ça, non? Mais reste pas devant, c'est pas un putain d'item collector ça! Bon,
J'espère que ça vous a plu. Ça y est, j'ai les nerfs. Il va falloir que je me défoule sur un truc. Ah, au moins, je lui ai fait plus de dégâts. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et le prochain qui m'envoie un défi comme ça, j'y mets dans la gueule. Ciao.